Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Mais je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Les Algériens s'apprêtent à voter pour élire leur président. Le grand favori reste bien sûr Abdelaziz Bouteflika. Âgé de 77 ans, il brigue un quatrième mandat malgré ses ennuis de santé. ستة مرشحين ولكن في الواقع المنافس الحقيقي للرئيس المنتهية ولايته هو المرشح علي بن فليح. Invisible pendant la campagne mais omniprésent sur les murs d'Alger. Abdelaziz Bouteflika n'arrive plus à se déplacer seul, affaibli par un AVC. أكثر من 200 مليار دولار قيمة احتياطي الجزائر، ولكن عوض استغلالها واستثمارها لتنمية وتطوير البلاد، تم إيداعها في البنوك الأجنبية. La campagne d'Abdelaziz Bouteflika va peut-être coûter jusqu'à 75 millions d'euros, et cela avec l'aide de nombreuses entreprises privées amies. Mais ce montant. L'armée promet de veiller à sécuriser avec force, volonté et détermination ces élections. Tu peux pas avoir raison tout le temps. Regarde, regarde. C'est pour ça qu'on a mis français, parce que là, j'ai tenté une approche chiffrée de la question et établi un chiffre qui me paraît fiable pour les militaires français. Environ 400 et les civils français environ 500. Environ 500. Pour ce qui concerne les Français. Pour ce qui concerne les Français. Oui, c'est bien écrit. Et de comprendre, Mourad. Tu lis, c'est noir sur blanc, c'est du français, c'est pas du chinois. Voilà qui, voilà qui. Après, la deuxième question, la deuxième réponse. Les archives permettent de les identifier en nomination, des Français, et de comprendre les logiques qui ont présidé à leur capture. Ils parlent des Français. Et c'est qui écrit le bouquin, elle ne parle que des prisonniers français. Alors, les prisonniers. Alors, il n'y a pas de prisonniers algériens. Il n'y a pas de prisonniers algériens. On les exécute, les Algériens. Beaucoup d'Algériens qui servaient dans l'armée. Il n'y avait pas d'Algériens pendant la guerre d'indépendance. On était français. Tout le monde était français. Mais c'est clair, ils disent que c'était des Algériens. L'Algérien, c'est en 62. Ça, c'est un autre débat, M. Caron. Là, c'est un autre débat. Mais s'ils servaient de l'armée française, c'est qu'ils étaient français. Mais pourquoi là, ils ne
l'État franco-algérien. On était régi par le mais statut. Mais d'origine algérienne. On il n'y a pas d'origine algérienne. Là, c'est algérien. Les prisonniers algériens. Mais on ne peut pas... Pour servir dans l'armée française, il faut avoir la nationalité française déjà, d'abord. Mais non, mais là, pas servir on va, en étant algérien, on va discuter, on est en train de discuter, de débattre d'autre chose. Non, hier, non, il faut que tu dises une chose. On rattrape aussi les pages le soir. Ça ne veut pas dire que quand c'est fait la journée, c'est fait la journée. Bien sûr, tu vas admettre. Bon, un autre problème. La première voiture atelier assemblée à Oran, on n'a pas de photo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher sur Internet et on prend n'importe quelle photo d'une usine Renault et Oran, mais c'est incorrect. J'avais demandé Naya, chauffeur. Bon, j'avais demandé une puce là et une puce là. Ça n'a pas été fait. Allez, merci. Les papiers d'ouverture, il faut systématiquement des puces. Il faut systématiquement des inters. Il faut systématiquement aérer. L'économie, c'est pas beau ça. C'est pas une belle poche ça. C'est une compagnie par défaut, je suis tenté de dire. Donc ça serait bien de dire finalement. On va élire un président de la République par un maire. C'est un carnaval. C'est irréaliste qu'on vit avec cette campagne. Moi, je suis complètement. C'est-à-dire qu'on a beau réfléchir à, même, à d'autres sujets, mais c'est inimaginable. Et puis en face, tu as quand même Ali Benflis qui a structuré quand même un débat. Il fait des propositions aussi en économie. Quoi qu'il a parlé d'une croissance de 7%, il promet. C'est une promesse, c'est bien de le dire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu un chiffrage comme ça se fait ailleurs et tout. Alors, moi, je mets 500 milliards de dollars, je fais ceci, je fais cela. On n'a pas entendu tout ça. Mais Ali Benflis, par rapport aux autres, il a quand même fait des propositions politiques. Par exemple, il va réformer le code électoral, le code de Wilaya et tout ça. Il va mettre le conseil de la magistrature sous l'autorité d'un magistrat élu, contrairement à Bouteflika. Moi, je pense qu'il a décliné quand même une espèce de feuille de route. Pas pour le glorifier, mais par rapport à l'autre clan, il n'y a rien. C'est-à-dire, la question qui se pose, est-ce que Benflis est capable vraiment de déjouer les pronostics? Voilà un peu première semaine comme ça. Dans les faits, probablement, mais en réalité. En fait, ce qui nous intéresse là, c'est l'histoire du deuxième tour. Ouais. On n'en parle pas, mais je ne vois pas comment Bouteflika va passer au premier tour. C'est ça, on ne va pas rééditer le scénario de 2004 et donner 200 000 voix à Benflis. Ce n'est pas sérieux. On a vu quand même la raison. Ils sont capables. Il y a un trait distinctif chez Benflis, c'est que là, il est en attaque frontale. Ouais. Dès qu'il a été attaqué aussi, il a riposté de manière violente. Il disait que moi, je ne ramène pas dans ma famille à la présidence. Là, il parle de c'est un pays qui est géré par la corruption. Ne sous-estimons pas l'importance des crédits qui sont donnés à certains opérateurs. C'est des milliards de dinars, et ces gens-là, ils prennent cet argent en espèces. Ça n'a rien à voir avec les impôts. C'est-à-dire que moi, Omar Blochet, j'ai une entreprise de travaux publics ou de canalisation, etc., etc. Je suis en bonne relation avec Toufir pour la CAID, etc., etc. Je donne des ordres à... Ça se passe comme ça, Jemaa. Ça se passe comme ça. Il faut qu'on l'aborde. C'est le plus gros des financements. On me donne des crédits considérables. Hein. Et puis, une partie de cet argent, je retire de la banque en espèces et puis je le remets à ces messieurs. Il faut qu'on aborde cet aspect. C'est important. Hein. Cette fois-ci, hein, dans cette campagne, c'est Hamro, c'est ce qu'il nous a dit l'autre jour. C'est ce que beaucoup de gens disent actuellement des économistes. Il faut qu'on fasse ressortir ça lourdement. Je vais aller plus loin. Une très bonne partie de cet argent va dans les poches des individus. Si les directeurs de compagnie, c'est comme ça que ça se passe. Dans les poches des individus. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas ensuite dépensé comme dans les meetings, etc., etc. C'est un enrichissement de certains individus au nom du soutien. C'est dans le cadre des entorses. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Bouteflika n'a pas donné de compte bancaire. Ça, c'est une grave entorse. Je pense qu'on va encore attaquer le Conseil constitutionnel. En avance, la société. On a un bilan de la TCC de la drogue et de la toxicomanie en Algérie. Avec ce moral en berne, il n'y a que le cannabis qui peut sauver la... Attention à la qualité du cannabis. N'importe quoi, peut-être, mais... Mais il faut faire attention à la qualité du cannabis, parce qu'on a du cannabis... J'ai rien dit. Même là, c'est...
Allez, on se met au boulot quand même, hein? Ok, à plus. Tu l'as arrosé tout le monde? Il n'a pas arrosé tout le monde. Tu dois avoir l'honnêteté de reconnaître que le régime a recruté même parmi la jeunesse éborable. Attention, grâce à l'argent et tout ça, il a recruté. Je suis déçu de le dire, mais malheureusement, c'est le cas. C'est pas nouveau. Tu sais que le FLN, il est stable depuis 62, son électorat est stable, y compris en Kabylie. Il a dans chaque commune de Kabylie et en Kasma. Il a à chaque élection, en Kabylie, c'est des élections transparentes, on ne peut pas frauder là-bas. Il y a toujours des élus FLN. L'oligarchie, elle a acheté tout le monde. Quand tu dis, attends, parce que c'est un discours dangereux, quand on dit elle a acheté tout le monde, ça veut dire qu'ils sont tous des salauds. Il a acheté beaucoup de monde. Ils ont acheté qui? Ils ont acheté. Et bien sûr que c'est. Une minorité, 5%. Bien sûr que c'est un système clientéliste. C'est fou, c'est un fou débat, Wagi. On met tout le monde dans tout le monde et on se. Et voilà. Explique-toi, je n'ai pas compris ton charabia. On met tout le monde dans tout le monde. Non, moi je te dis que. Non, mais je ne fais pas un charabia. Tu veux te donner raison, c'est de là. Mais c'est pas ça. J'ai juste envie de te dire. Très largement dans les couches sociales, comment il a recruté avec l'argent. Très largement dans tout. Quand je vois. Tu estimes à combien? Ah oui, tu estimes à combien? Très largement, si ça dépasse la majorité. Très largement, c'est ça. Je ne peux pas dire ça parce que 65% des Algériens. Pourquoi tu te contredis. Parce que ils savent que depuis tout le temps, que l'élection dans ce pays n'a pas de sens. Bulletin de vote n'a aucun sens. En 91, les gens ont voté. Plus ou moins massivement. On leur a dit non, vous avez fait un mauvais choix. D'accord, c'est vous qui décidez, vote ou pas vote, faites ce que vous voulez. C'est une interprétation politique. On ne peut pas rester comme ça, il y a un mouvement dans la société, ça, c'est pas statique, ça bouge dans tous les sens. Moi, je pense qu'elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas assez. Les sociétés bougent. Non. Vous avez compris, dans les états staliniens, les sociétés bougent. Il y a les états staliniens, mais chez nous, elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas assez en tout cas. Attends, en 2011, on a recensé pas moins de 1500 mouvements sociaux. Et on va. Attends, mais tu vas pas me dire, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement d'un. C'est pas un mouvement politique. 5% d'Algériens, peut-être j'exagère, qui bougent dans le bon sens, je veux dire. Hein, parce que quand je dis bouge, parce qu'ils sont mus par une arrière-pensée politique. Ils veulent faire changer les choses, tu vois. Mais les autres qui bougent, ils bougent pour la bouffe, ils bougent pour autre chose. Pourquoi? Parce que là, il y a une faillite. Tu ne peux pas reprocher aux gens. Vous êtes des cadres. Juste pour le dire, vous êtes pour le bouffer. Je te tente d'idée, là, laisse-moi parler. Il y a un problème d'intermédiation sociale. Il y a une faillite des partis politiques. Oui, une faillite des partis politiques, ils sont responsables, mais le pouvoir, c'est des slogans, tu peux penser ce que tu veux. Les partis politiques n'ont rien fait. Tu rejoins le pouvoir. Je suis tenté de dire, tous les partis politiques, y compris les partis au pouvoir d'ailleurs, ne bougent pas, même les sièges sont fermés, c'est vrai ou pas, Mao? Alors quand tu ne fais pas cet effort de médiation sociale, il y a un problème, par exemple, une école qui a fermé. Le parti politique, c'est ma vocation naturelle. Je vais voir le directeur, je vais parler aux enfants et je vais politiser cette affaire, tout simplement. Et c'est de bonne guerre, mais ils ne font rien du tout. Je ne suis pas satisfait, je parle avec sur un ton très grave, parce que je suis
quand même déçu pour mon pays. Mais malheureusement, c'est la triste réalité. Quand Boutchika te dit ou Lassinel te dit, sortez un peu d'Alger pour voir, c'est vrai, hein? Faut sortir un peu. Faut te sortir à tout. Attends. Oui, il a raison sur un papier. Oui, même si ça ne te fait pas plaisir. C'est pas Alger qui décide. Quand tu vas à Djelfa, les gens te disent, oui, Fahamatara. Tu sais qu'à Aflou, il y a des gens qui pensent que c'est Boumdien encore qui est président. Et attention, il y a une arrière-raison politique. Tu as parti à Aflou, tu as vu des gens qui pensent que c'est Boumdien. Oui, j'ai vu à la télévision des gens, oui, c'est Raïs Boumdien. J'ai écouté ça à la télévision algérienne. Il y a des Algériens, qui sont à milieu des salons algérois, Yaboura. Quand tu lui parles d'alternance au pouvoir, ils te disent, c'est quoi ce barbarisme, alternance au pouvoir? Il ne sait pas. Fahamatéhi, 62, la révolution et tout ça. Il faut conscientiser. Les gens, ils font de la politique. Sors d'Alger, tu ne sors pas d'Alger toi aussi. Tu ne sors pas de... Les gens font de la politique, s'organisent. Et pour à chaque fois qu'ils s'organisent, on leur voit la police, la répression. Tu ne peux pas dire que je ne connais pas l'Algérie. Je fais 48 wilayas. Je viens de Kabylie, je sais ce que pense même en Kabylie. Les gens s'intéressent à la politique. On les empêche de faire de la politique. On les empêche de s'organiser. On sort d'une guerre civile qui a cassé le ressort de la société. Ok, mais je n'aime pas m'enfermer dans ce... Mais c'est une explication. C'est une explication. On n'arrive pas à discuter sur le même... Tu ne veux pas comprendre peut-être. C'est la dialectique historique. Mais bien évidemment, c'est une dialectique historique. C'est des contradictions qu'il faut avancer les sociétés. Appelle Marx, il va te donner. Je n'appelle pas Marx. Tu veux que je te dise, si tu ne comprends pas Marx, tu vas rien comprendre dans la société. Tu n'as pas compris du Marx. J'essaie de le comprendre. Ouais, je suis en train de... C'est une grosse politique. Marx explique le monde. Vous êtes trop idéologisé. Mais les questions sont idéologiques. Mais bien sûr qu'ils sont idéologiques. Moi j'ai un fond religieux, n'oublie pas. C'est pour ça que je te dis, tu rejoins bien cette idéologie, cette nouvelle idéologie qui est le bien et le mal. C'est pas l'idéologie. C'est devenu une idéologie. J'ai le droit d'avoir un fond religieux, j'ai le droit. Mais moi je te dis que par exemple, je sais pas moi, la laïcité ne m'intéresse pas. Mais c'est mon point de vue, j'ai le droit. Je ne pense pas le monde à partir de la religion. Je ne t'oblige pas. J'ai juste envie de te dire que les affaires publiques, elles ne sont pas, on ne peut pas les gérer par la religion, parce que dans la cité, il y a plusieurs religions, il y a de la non-religion aussi. Et qu'on ne peut réussir à cette gestion qu'à partir des lois qu'on élabore tous ensemble, c'est-à-dire des lois positives. Et là, on est différent. Donc, on ne peut pas être dans un truc. Mais c'est ça la différence. Moi j'accepte la différence, moi je n'accepte pas. Moi aussi j'accepte. Tu me dis tout de suite, on ne peut pas être en train. Non, je veux dire, on ne peut pas mener peut-être le même combat, moi et toi. Mais tant mieux. Et c'est pour ça qu'on a inventé la démocratie. Mais je sais, voilà. Tu vas prendre rien, moi je te dis qu'on peut ne pas être d'accord. On peut faire un bout de chemin ensemble, après un moment donné, ça ne convient pas, ça ne convient pas. C'est-à-dire, mais est-ce qu'on est fondamentalement différent, moi et toi? Mais est-ce qu'on peut partager des choses ensemble? Bien sûr. Voilà. Mais surtout le problème, c'est lui. Il est là et il discute. Tu t'en fous, mais il n'arrive pas en bas. Et tu vas attendre. Mais c'est pas ça qui fixe la valeur de ton interview. Si toi, tu poses les bonnes questions, tu t'en fous. Mais voilà les questions que je pose. Ouais. C'est des questions liées à ces deux précédentes interventions. Je leur lance plusieurs fois sur l'armée, sur le... Il est libre de répondre ou ne pas. Non, mais attends. Il n'a pas été percutant. Non, ça c'est clair. De toute façon, je vais le lire, je vais. Mais je pense qu'il ne faut pas vraiment tenir compte de cette mouture.
Plutôt remets le mot choisi avec Hachbli. L'armée n'a pas choisi le candidat. Tu conviens que c'est l'idée sans tard? Oui, mais bien sûr, c'était mon titre aussi. Ah, d'accord. Ah oui, oui. C'est plutôt le jeu qu'il y a dans la phrase, tu vois. Mm-hmm. Elle précise, il précise sa pensée, tu vois. Mm-hmm. Mais depuis vendredi soir, je vais dans l'angoisse de... Mais a soutenu, essaye de mettre carrément le truc. Il faut que ça soit mais percutant, que ce soit surtout visible pour lui. Pas que les gens se... Moi, je suis... Faut que tu le titre, faut que tu lises à 10 mètres. Aïe, 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 toujours là-bas. Doucement. On a marqué, il a failli en plus. Ah, là, c'était un moment de réconciliation. C'était un moment de réconciliation. C'est le pas ça, ouais. Regarde-moi ça, ce pis. Je te reproche la prière? Je te reproche la prière ou quoi? Les gens ils vont voter le candidat qui ne voit plus. Les sales gars, les deux, les sales gars. Vite, voilà. Chauffe. Les seuls lieux publics, les Tamoro, c'est bien les stades. Hadja Khrama Kenwalo. Sauf Batoum Libus, Batoum Casqueta, Tricot, la promesse d'une subvention pour les associations. Sinon, bien sûr. La Rwalo, Kenwalo. Okay, let's see if you can get out. Can we do that?
m'a dit que non, ça tu donnes les raisons, non, tu donnes les raisons pourquoi les, oui, les candidats choisissent certains endroits, ils ont des raisons spécifiques pour le faire. Oui, comme mais, ça, non, c'est ce que j'ai compris avec le rédacteur en chef. Oui, oui, absolument. Ouais. Pour ça que je t'ai rappelé caricaturiste, pour un petit peu le briefer pour faire une caricature. Non, c'est juste par rapport à la pertinence d'en faire l'ouverture. C'est-à-dire, c'est un détail dans un... Tu sais, parfois, on n'a pas le choix. Quand on a des scénarios comme ceci, tu sais que la campagne... Parce que la seule chose qui est à la limite pertinente, c'est le forcing des représentants du candidat absent. Ils ont essaimé un peu partout en Algérie, à la limite, ça, je pense, ça c'est un angle. Les gens qui même qui sont prêts à voter Bouteflika, ils veulent Bouteflika lui-même, Bouchefou. Il n'y a que lui qui a cet effet sur les foules. L'Ukraine, ses lieutenants, ils ont. Je fais un déchirement, là, on peut faire l'ombre de Bouteflika derrière. Si on fait des masques, c'est Oula, c'est l'idée avec les Dallas, le portrait à Bouteflika, ça m'a pour faire remplacer le président et on voit que c'est ils sont tombés très vite dans le ridicule. Oui, j'ai vu déjà sur Facebook, tu as les 6 candidats, avec les 5 candidats des photos d'Yalan, mais Bouteflika, le porte-voix officiel. Oui, oui, exactement. Là, ouais, ouais. C'est des porte-voix. Après, il y a l'autre aspect, c'est envoyer autant de monde dans autant de villages en même temps. Moi, je me pose une question sur le coût. Parce qu'ils sont en tant que membres de la direction de campagne. Rien ne prouve que c'est de l'argent public. C'est ça le... Non, en contexte, c'est pas... ils n'ont pas le droit de le faire avec de l'argent public. Donc ça aussi, c'est d'accord. Ça veut dire que... On reste sur le don d'ubiquité du président, qui est partout à la fois. Le don d'ubiquité, voilà. Ouais. Le président fantôme qui est partout à la fois. Sans être là. Voilà. Sans être là, exactement. Là, je pense que c'est un très bon... Très bien, merci. Très bien, merci beaucoup, Serge. Moi, je t'ai donné une page, couleur 15. Très bien. Et je voulais savoir, est-ce que tu avais suffisamment de matière à mettre? Donc, pas de pub. C'est parfait, une page. Parfait. J'ai une belle photo, par contre, que je te donne tout de suite. Je ne mets pas de pression, parce que là, on est un peu réduit en... Écoute, j'ai une petite photo que j'aimerais bien que tu mettes en exact. C'est des petits-enfants atteints du cancer qui ont été à l'association ML. Elle les a pris pour les vacances. Ah, une sortie. À Paris. Au Disneyland. Voilà, donc j'aimerais bien que tu places la photo. Ah ben, donc il y aura une petite information en bas avec la photo, on la met en valeur. Donc si tu veux mettre tout ça en valeur, tu sais ce qu'il te reste, moins de nombre de signes. D'accord. Dans l'info. 10 000 signes alors. D'accord. Bah, si tu mets de la pression à peu d'accord, près. D'accord, oui. Dans une heure. Dans une heure. C'est la honte. Ils n'ont ni le sens de l'honneur, ni le sens du devoir, ni la dignité. Et puis il y a le mensonge aussi. Il y a le mensonge qui est très grave quand il te dit que c'est vous. La mafia italienne est plus respectable que eux. Il dit que je suis obligée de continuer parce que vous me l'avez demandé malgré ma santé. C'est comme si c'est vrai. Qui c'est qui lui a demandé? Personne ne lui a demandé. Il y a eu un sondage, il y a eu un référendum, il y a eu une enquête, rien. Tu sais ce qu'il a dit à un médecin pour ma belle-sœur? Elle a été le voir. Il lui a dit, puisqu'on va voter pour les morts. Moi, je vais voter pour Boumdine. Ouais. Il a dit, puisque là, Bouteflika pour nous, il est absent. Donc, on vote maintenant pour Boumdine en place. Il a dit, puisque j'aime beaucoup Boumdine. Alors, je me suis dit, Duro, tu m'as. Bon, mais j'ai une photo. Mais j'ai une photo sur souvenir. On a que je n'ai pas l'idée. Tu as les 5 candidats. On a chauffé normaux, c'est eux. Mais il y aura plein de Bouteflika autour d'eux, des rumeurs. Parce qu'on peut chacun mène sa campagne. Sauf que Bouteflika, qui est le rachat. 106. 6. 6. Bouteflika, nous 5. Tu as les 6. 3 et 3, 6. Et là, à la place de Bouteflika, c'est quelqu'un qui a un masque. Qui a le masque vénitien. On essaie ça comme ça. Tous les candidats sont représentés. Avec plusieurs masques, madame. Non, parce que Bouteflika, les personnes les bizarres. Il y aura plein de personnes qui sont et voilà, là, qui est rachée d'ailleurs avec les masques de Bouteflika. Vendu. C'est bon, c'est bon. Alors, République, machin chouette, ministère des Finances, Fonds national d'investissement, numéro 00 oui. 300 638 30 G2. Non, vas-y, comme les 300. Laisse-moi lire comme je lis. Double 0, 300, 638, j'ai 30 G. Non,
il y a 300. Voilà, dis-moi 300. Tu me dis 300, tu me dis que c'est quoi dire. Non, t'as pas compris. La photo Disney. Tu peux pas? Pas sur la colonne, on les verra pas, elle sera vignette la photo. Je préfère pas que je sois là-bas. Je comprends pas dans le bâti celui-là. Mais elle est allée ou mais elle veut communiquer? Voilà, on est chez notre canaille. C'est ça, un petit appel. Parce qu'avec t'as le diabète, j'ai laissé finalement, je me dormais avec un entretien après. Mais les belles filles et le beau fils, c'est pas la même chose. Les belles filles, ah, c'est le beau fils. Pour toi, c'est leur mari? Non, non. Non, peut-être qu'il a... Un seul beau fils, mon amour. Elle a qu'il a plusieurs belles filles. Elle a qu'il a une seule fille, hein, qu'il a mariée. C'est ce qu'on avait pensé. Elle m'avait posé. Peut-être qu'il a marié une seule fille. Non. Ah oui, là, oui. Son affaire. Moi, je ne pourrais pas dire d'un chef d'État étranger qui n'a pas l'étoffe. Il est choisi par son peuple. Ah non, mais allez, c'est-à-dire, il est choisi démocratiquement par son peuple. Bouteflika, il a l'étoffe. Hein? Il a l'étoffe. Bouteflika, le problème, il n'a pas été choisi par le peuple librement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils se sentent en paix, tous les peuples. Attends, démocratiquement élevé. Lâche-moi, tu ne vas pas me dire ce genre. Il a tellement d'État. Il a été choisi par les Américains. Mais après, il est sorti avec 25%. Mais sauf que ce qui est bien, c'est que ces Américains qui ont élu George Bush l'ont bien remercié. Eh bien, ils vont remercier Hollande en 2017. C'est-à-dire qu'il faut. Ils vont leur remercier. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'intelligence des peuples. Non. Voilà. C'est très serré. Même si, j'insiste pour dire que François Hollande. Bon, quand tu vas après la réunion. Aujourd'hui, on a une réponse. Madame, on commence, s'il vous plaît. Les collègues sont là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un point un peu sur le Qatar et l'Algérie? Je pense que nos lecteurs attendent quand même un certain nombre d'éclairages. Le Qatar qui est absolument non, il y a une difficulté dans le monde arabe. Donc il essaye de sortir de il y a droit. Il fait le Soudan, il fait l'Algérie et il fait la Tunisie. Je ne sais pas la Tunisie avant. Il sort de sa sphère géopolitique pour venir au Maghreb. Parce que là, il a sur le dos l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte et le Koweït. Là où Bouteflika pourrait tirer profit de cette visite, même si géopolitiquement ils ne sont pas d'accord, c'est que l'émir du Qatar annonce un plan d'investissement en Algérie, 5 milliards, comme il l'a fait au Maroc, finalement c'est du pipeau, il ramène rien. Il peut faire ça, donc les gens vont dire, ah, Bouteflika, tu vois, il est intelligent, il a discuté avec le Qatar, il propose. Là, il y a un effet d'annonce, une espèce d'effet d'annonce, pour, il va gagner les Algériens. Ce qui va faire l'effet d'annonce, attention, là, c'est une analyse que je fais, c'est possible. C'est... Comment le régime, le grand présidentiel, pourrait fructifier cette visite? Voilà, l'Algérie n'a pas besoin d'argent, en fait. Par contre, moi j'aimerais bien, par exemple, qu'on s'interroge sur cette visite qui intervient pratiquement au même jour que celle de Kerry. Est-ce que, on le disait à l'instant, est-ce qu'il y aura une rencontre à droit? Est-ce que ça obéit au même agenda? Est-ce que la visite de Kerry et du Qatar, au-delà des questions qui agitent les pays du Golfe entre les différents et les conflits qu'il y a, y compris sur les questions du printemps arabe en Égypte et ailleurs, au-delà de tout ça, est-ce que, pour ce qui nous concerne l'Algérie, il y a un même agenda pour Kerry et le Qatar en Algérie? Même s'il y a une opposition d'approche par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe, l'émir du Qatar, il a mis la famille, ou plutôt Bouteflika, il a mis de la famille régnante au Qatar. Ça... Ok, c'est bon. Le supplément magazine. On a un sujet sur la fameuse vidéo, les pro-Bouteflika, les artistes. On est parti voir les artistes pour savoir quelles étaient leurs motivations et tout ça. Cheb Khaled, il propose aux Algériens le bon choix. Il est gars de sa nationalité algérienne. Non, mais je veux dire, oui, bien sûr. C'est, je veux dire quand même, mais c'est quelqu'un qui fait le choix de vivre ailleurs. D'un point de vue moral, il n'a pas à dire aux Algériens, il n'a pas à faire campagne pour un tel ou tel candidat. Il a choisi de s'établir au Maroc, d'avoir une seconde nationalité
c'est devenu pratiquement monnaie courante pour les artistes. Flaga a choisi de prendre la nationalité française. Lui, la nationalité... Flaga fouille le terrorisme. Il était menacé. Par exemple, j'adore Flaga. On ne le dit pas de manière franche. Oui, mais je veux dire, c'est un fait. Il y a des gens, beaucoup d'artistes, ont pris la tangente durant les années de la décennie noire et plus tard et bien plus tard. Imaginez un instant, Fedlag, il prend position pour les Halki. Ça pose des problèmes aussi. Mais ça pose des problèmes parce que c'est une question sensible en Algérie. Il y a un truc, c'est pas dire. Okay. Ils sont sur le terrain politique, ils ne sont plus artistes. Ça pose problème. Après, ce qui est intéressant par rapport à la vidéo, c'est qu'il y a eu une campagne de dislike, c'est-à-dire ne pas aimer. En fait, sur YouTube, tu peux cliquer sur dislike. Il y a eu une campagne impressionnante de gens qui mettent j'aime pas. Qui n'ont pas aimé et qui le mettent. Khaled est assez particulier. Parce qu'il y a dans la rédaction de l'Ouattan, il y a des sensibilités sur la question du Sahara occidental et par rapport au Maroc. C'est une réalité, on ne peut pas les fuir. Une sensibilité particulière. Et lui, il a, c'est l'ami, il s'affiche à chaque fois, c'est l'ami du roi. Il a chanté la Youn. Il a fait la Youn, il a pris le drapeau marocain. Au moment où les Sahraouis se faisaient. Au moment où il y avait des militants sahraouis ou les organisations internationales. Les Algériens soutenaient, et puis maintenant il vient comme si de l'air absolument pas. Ça pose un problème, c'est tout, voilà. Il faut peut-être accompagner ça, d'un cadre, Hassan, qui résulte. Voilà, allez, on avance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu sais pourquoi il soutient Bouteflika? Mais là, le comble de... Il te dit parce que depuis que Bouteflika est agent, on boit du whisky. Voilà, c'est un argument politique de taille. Non, mon œil. Que vient faire Kelly en Algérie? Il est venu assister à un concert de Cheb Khaled. Non, même le. Attends, il faut lire. Non, je lis pas. Déjà le titre, déjà. Que vient faire Kelly en Algérie? Secrétaire d'État américain vient en Algérie. Tu crois que c'est pour tes beaux yeux? Il t'adore. Alors là, franchement. Que vient l'émir du Qatar? Oui. Hein? Ah oui. Lui, parce que par contre, c'est pas stratégiquement, c'est pas un allié de l'Algérie, enfin du régime. Sur le plan géopolitique, on est très différents des positions. Lui, quand il vient, que veut-il faire Amitié familiale. Mais lui, par contre, les Algériens adorent recevoir. C'est la première fois qu'il reçoit un secrétaire d'État en exemple, à Parma. Il a réclamé une seule fois. Une seule fois. Condoleezza Rice qui était venu pour leur dire adieu. J'ai couvert les deux. Et la Rikiniton est venu pour exactement 13 heures. Pour le Tachan Souaya, elle n'a pas fait la bise à Boudjaf. Il voulait lui faire la bise, cher ami, à Boudjaf. Voilà. Mais lui, c'est la première fois qu'il vient en plein exercice. Une année après sa nomination, il vient, ça veut dire qu'il y a. Parce que l'Algérie est ceinturée de conflits. La Libye, le Mali, la Tunisie, l'Égypte et tout ça. Et c'est tout que l'Algérie, c'est le pays entre guillemets le plus stable dans la région. Elle a une armée assez forte, elle a des moyens financiers colossaux, donc elle peut jouer un rôle. Ils vont lui faire jouer un rôle, les Américains, à l'Algérie. Génial. Bon, on va commencer ce foutu papier sur le Qatar, sur ce vilain petit Qatar. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que les Algériens ne sont pas au courant que la situation économique au Venezuela est désastreuse. C'est ça le problème. C'est ce qu'on est en train de l'expliquer dans le ouais. Là, on va faire un chapeau, on va expliquer tout ça. Vous avez le Venezuela, c'est pas évident, c'est, je sais pas. Oui, le titre est agréable, hein, il renvoie pas automatiquement à une situation difficile. La photo qu'on va choisir, c'est la photo de pillage des magasins, etc. Pendant les émeutes. Là, c'est plus expressif, oui, tout à fait. Avec un bon chapeau d'explication, ça ira.
Il y a maintenant ce qu'on appelle le syndrome vénézuélien. C'est un peu ça. Bon, maintenant, d'ici 20 heures, sauf si, je ne sais pas, Kelly... Il y a changement. Non, c'est pas. Si tu aurais sur le Qatar, s'il arrive ce soir. Vous avez fait un bon choix. Non, c'est bon. C'est un bon choix. Qui jongle qui passe. Qui passe allègrement. Alors, comment voyez-vous l'évolution de cet émirat? Mira, comment voyez-vous l'évolution de la diplomatie de cet émirat qui pratique la diplomatie du chéquier? Comment voyez-vous l'évolution de cet émirat qui pratique la diplomatie du chéquier? Alon. Des nouvelles données. Jamel, elle est partie. Brenda, tu l'as fait réparer à la balle. Qui? Jamel. Pratiquement de sa commencement. 2001. Non, mais c'est plus que... C'est le troisième étage, là, ou la quatrième? L'international. La sportive, maréchal, secrétariat. عيب عليكم سي الجزائريين، عيب عليكم راه في الطريق،
Safir, t'as vu là? Exactement. Mais ils sont nombreux, comment ils vont assainir? Ils sont pas nombreux, c'est une poignée. Une poignée. Voilà, comme ça, après, quand ils te mettent au sol, t'as l'impression que la police s'arrête. Comment que ça va continuer, Tokar? La suite, c'est quoi? Non, mais nous, on a dit que c'était un événement. C'est-à-dire que là, c'était prévu. Ça, des bouteilles, il va mourir. C'est tout le monde qui va rentrer chez lui, on va faire... Non, mais Barakati n'a jamais tablé sur le 17. Pourquoi on rejette l'élection? Parce qu'elle est fermée. Si tu dis qu'elle est fermée, ça veut dire qu'elle est jouée d'avance. Tu as fait un appel, pourquoi il n'y aura pas Barakat dans la rue les 18 et 17-18? Le 17. Tu ne pas dire qu'on a rencontré des flics à Kerr, il y a des groupuscules qui appartiennent à Barakat. Non, c'est la propagande. C'est la suite. Communiqué de l'office. C'est quoi? Je te les ai donné, non? Je les ai donnés, ouais. Ah voilà, si on a. Voilà. Ça, c'est quoi? Moi, je pense que c'est un pays où il y a eu beaucoup de manipulation ces 50 dernières années. Vous parlez d'autre, oui. Moi, je doute que Bonneflis donne l'ordre à ses partisans de faire ça. Hier, les gens attendaient la venue de Sulel pour exprimer le rejet de ce quatrième mandat, qui est vécu par une bonne partie de la population comme une provocation, comme une violence. Et face à la police qui réagit, inévitablement, ça va tourner à l'affrontement, à l'émeute. Pardon, Mustapha, je pense qu'il y a deux choses. Bon, la violence, on la condamne, tout le monde condamne, pas de problème. Tu n'as pas cassé une caméra ou l'a attaqué aux journalistes. Mais c'est vrai que le pouvoir, à travers le traitement de ce qui s'est passé hier, le traitement médiatique de ce qui s'est passé hier à Béjaïa, on sent qu'il y a une volonté de la victimisation. Jouer la victime, nous, on est la démocratie, voilà. Mais attends, quand tu réfléchis bien, c'est finalement le pouvoir qui est empêché dans au moins 8 ou 10 wilayas. Selon notre correspondant sur place, bon, il n'a pas tenu ce genre de discours. Il pense que les jeunes de la ville, etc., pour la plupart, ils parlent des chômeurs, des désœuvrés, etc. Et il disait qu'il y avait une tension dans l'air, c'est-à-dire que on le retrouve un petit peu dans les mots d'ordre. Hein, donc, de la part du pouvoir assassin, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Et peut-être que les gens considèrent, c'est-à-dire. La candidature au quatrième mandat est une forme de violence qui appelle une autre. Parce que la direction de campagne, elle accuse nommément les boycotteurs. Est-ce que le front du boycott ou la rafle ou la barricade, est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des actes de violence dans toutes les manifestations qu'ils ont faites? Et est-ce qu'il y a un texte politique où ils font du chahutage des meetings une stratégie? Je pense pas. Il y a des appels sur Facebook pour nettoyer la ville ce matin. Les bouchottes, ils disent on va nettoyer la ville pour aller trouver au gouvernement qu'on aime notre ville et que tout ce qui s'est passé ne sera pas récupéré. Comment aujourd'hui traiter cette question? Est-ce qu'on fait parler des spécialistes? On fait demander à nos journalistes ceux qui sont sur le terrain. On reste dans le factuel. Ouais. Comment je vois aujourd'hui la ville de Béjaïa est aujourd'hui. Et à côté, décryptage de ce qui s'est passé hier, on peut faire parler aussi ceux qui sont accusés et ceux qui accusent. Locaux. Moi, je pense qu'on va décrypter à partir de bougies. C'est pas uniquement un reportage. Je peux aller en renseignement généraux, par exemple, je vais poser la question. Est-ce que vous avez identifié des gens? Est-ce que les partis politiques implantés dans la région? Comme ça, on peut avoir une visibilité un peu de ce qui s'est passé. Il y a un reportage factuel plus un papier de décryptage qui sera pris en charge par le bureau de budget. Voilà. Moi, ça a traumatisé les gens. Ce qu'ils ont fait hier, c'est de la propagande quand même. Non, please.
حفصي هذاك الجون هذاك زعما يفي دي زونتيان بوليتيك قول له تو فين دو كومونسي تا كارير تو تونتين دو تو بريزي انت امبورتون تاع بوتي بالفلوس كي كي في ساعه عيب عيب تو سان جورناليست ما عندك 10 دقائق لا بريس ديجا بديت تخلطي تو سا سي دي فوايو اي سا تا كي سي دي فوايو تو مونت كونت عليه تو سا اي سا ساريت لا سا سو ني مي بالفلوس لي لي باركا نعمل بوزوا كو با كو با شي نا جيها لا جيها Ça se poursuit. Ah ouais, d'accord. Ok, l'ordre. Ok, merci. Non, je comprends. Hadar, merci. C'est la même chose. Nouvelle flambée de violence, trois maisons incendiées et plusieurs blessés. Après, je l'ai lu en diagonale comme je donnais. Regarde. C'est ça le danger. Ouais. C'est ça, les quartiers arabes de Gardaïa sont très dangereux. Je fais confiance à Horia, elle m'envoie le truc. Maintenant, est-ce que les Mozambiques ne sont pas des saints aussi? Ils peuvent faire des. Mais j'ai pas dit ça. Est-ce que Horia était sur place? Non, je sais pas, Néa. Je sais pas. C'est qu'elle n'est pas sur place. Je sais pas, même pas qui lui a envoyé le papier, là, qui lui a envoyé l'information. Kanazim, c'est lui qui signe au week-end. Si, il signe au quotidien ou au week-end. Il faut qu'il nous fasse la liste des correspondants suspects à ne pas prendre en considération. On peut aujourd'hui proposer une ouverture à travers tout ce qui a été dit ce matin et maintenant, disant que finalement Bouteflika ce n'est plus l'homme de la stabilité, mais l'homme de la division. On pourrait. Le sens même des quatrièmes. Ce n'est que le début. Benflis, il a réussi à mobiliser 60 000 hommes pour surveiller tous les bureaux de vote. Et à 23 heures, il aura les résultats. Benflis va se proclamer président, comme tu l'as écrit il y a trois jours. Et là, ça se confirme. Il va se proclamer comme président. Président élu légitimement. Benflis, il va se proclamer président élu. On va aller vers ça. S'il est battu à la loyale, il dira « j'étais battu à la loyale ». Maintenant, s'il pense qu'il est élu, il dira « j'ai été élu », il va se proclamer le président. Tu as en face une foule qui leur fait face, qui est en colère. Hommes, femmes, vieillards, etc. C'est l'Algérie. C'est la représentation des différentes couches de l'Algérie, etc. Mais en colère avec en lançant des boîtes de conserve, des tomates, des yaourts, etc. Ceux-là aussi, ils sont en colère. Ce qui justifiera d'accès le titre, Bouteflika divise les Algériens. Parce que là, c'est une division. Et ceux-là, comme on les montre, ils portent Bouteflika. Le truc, la chaise roulante, rafdez-nous comme un trône. Au lieu que ce soit un trône, Jules César, je ne sais pas qui, c'est sa chaise roulante. C'est symbolique. C'est-à-dire que c'est un monarque important et qui ne peut pas continuer. Mais entre-temps, avec son entêtement, de vouloir forcer le passage, parce que là c'est un passage qu'ils vont essayer de forcer, là, ça rejoint un peu le titre et on verra tout à l'heure. On essaie, c'est un dessin qui doit être rempli parce que tu es sur 6 colonnes. Allez, si tu le réussis, je te donne une prime. M'nandi, M. Mchad.
pas bien fait. Ami. Une minute. Travaillez ça. Simon. Travaillez, Simon. Ok. Avance. Finis ça. Oui, finis ça. Kif en bas. Après travaillez ça. Kif, touche. Thomas, travaille. Ici, pas travail maintenant. Ici, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, travail. Demain, travail. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, travail ou non, travail. Vous m'avez dit demain, travail. Aujourd'hui, travail ou non, travail. Aujourd'hui. Ok, travail. Après manger, travail ici. Ok. Malheureusement, l'argent sale, les Égyptiens sont la Cour suprême, et le 16 janvier, elle a dit, هذاك شوف نخدم انا معاه كل خميس مي مون بابا راهو ميسيو تحب تجي الخميس روح ما تقدرش دير بريا في لابورت لا بريا نديرها درك سامحي نعم درك انا جو سوي انا راني مجاهد من قبل 54 وسبعه خوي شهداء وفي الفاميلا كاينه 21 مجاهد سياسيين وفيهم لي ميتي بصح دير فوتر انفورماسيون وما كاينش مجاهد كبير ومجاهد صغير انا مجاهد بصحيتي خاطر اللي يشوف التلفزيون يقول لك المجاهد اكبر مجاهد اكبر شوف المجاهد الاكبر شكون هو كان فرد واحد بورقيبه والباقي اللي هنا في الجزائر راه حنا كل مجاهدين ايغو او كل هنا 26 91 34 يا سلام شوف يا مدام يقول لك ما نخاف الا من ربي سبحانه كي ندير الشر كيما نديرش الشر بوتفليقه ولا ما نقول به هاو باش نقول عيب بكل صراحه خاطر ربي يفرج ان شاء الله على الحال انا راني نوصل خاطر نقول لك لا وجهك وقتي انا خير منك وقتو سوسيتي بصح لازم يدير معاهم هذيك لي فاكي كامل بقى لك موضوع الانتخابات ان شاء الله. مرور الانتخابات بربي ان شاء الله. ان شاء الله صحيح. احنا درنا الغلطات بصح كاينين ثلاثه ما يسمحناش فيهم ربي. اشكرهم عهد الشهداء ودم الشهداء. واحده الموت نتاع بوضياف زوز. تروازيام نهار اللي جابوا سي عبد العزيز وحطوه رئيس الجمهوريه. ودي خير بيجي بقى. وربي يوفقنا الخير. ان شاء الله اللهم امين اروح الواحد يسلم عليه يقول له وجع عمك يا سلام ان شاء الله امين ان شاء الله الله يسلمك على خير صحيح Les manifestations, il y a une atmosphère de colère qui est étouffée. Tu vois. Ouais. Ensuite, on revient aux origines. Tu vois, aux origines, t'as l'école, l'arabisation, t'as la télé qui est instrumentalisée par le pouvoir exécutif.
C'est le matraquage, la propagande politique, c'est l'abrutissement quelque part par des programmes qui... Et en fait, à chaque fois, je fais allusion au texte Terme. Quand lui te parle de, des programmes qui font appel à l'affect, à l'émotion, tu vois. Il est toujours en train de là d'empêcher de penser l'Algérien. L'Algérien ne doit pas penser. Il doit manger, dormir. Mais peut-être que, bon, l'Algérien ne doit pas penser, mais peut-être que... Mais après, je suis prudente. Hein. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Par contre, je suis prudente. Non, c'est pas ça. Je suis prudente parce que je pose une question au départ et je suscite un petit peu, je pose un problématique. Après, le but c'est de soulever le débat, mais je n'apporte pas de réponse. Le système doit d'abord être désigné comme subversif et terroriste et ceux qui le soutiennent doivent ensuite être traités comme tel. Bon, je ne vois pas le lien. Avec... Le lien, alors écoute bien ça, j'ai pris pour exemple le mouvement Barakat et le communiqué est à la direction de campagne de Bouteflika qui les traite de groupuscules fascistes. Est-ce que c'est pas de la diabolisation ça? T'as un mouvement pacifique. Ils veulent juste sortir dans la rue avec des pancartes, avec plein de symboles, avec du scotch sur les lèvres. C'est un mouvement pacifique, quoi. Et puis il y a le fait d'état d'urgence, ils ont droit. En réalité, la Constitution le garantit, ils ont droit de manifester. Et pourtant, ils sont diabolisés. Voilà. Ça devient des fascistes. Dire qu'il y a un sentiment de révolte. Il y a un sentiment de révolte basique, mais il est entretenu. Mais si, en fait, la révolte, elle est menée par qui? Par des syndicalistes, des intellectuels, des opposants politiques, tu vois? Est-ce que d'après toi, la révolte suppose une conscience politique? Évidemment. Dans quel cas, il serait injuste de dire que les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils veulent? Non, après, il y a deux formes de révolte. Il y a une révolte structurée, tu vois. Ça, c'est les syndicalistes, c'est ces gens qui entreprennent des actions, tu vois, de rue ou de grève. Pourquoi les Algériens ont du mal à se révolter? Pourquoi l'opposition avance en rang? Est-ce que c'est cette façon d'étouffer une révolte ou de soumettre un peuple? Moi, j'aurais dit étouffer une révolte. Parce que bon... Parce qu'il y a révolte, à mon sens, il y a révolte. Les esprits, il y a les indices d'une révolte depuis 2011, t'as des émeutes, t'as des manifestations, et pourtant, il n'y a pas de on va dire de révolution ou de révolte. Il y a une révolte en rang dispersée. Étouffée dans l'œuf, quoi. Étouffée, dans l'œuf, si tu veux. Dans l'œuf. Non, je veux dire, c'est avant même qu'elle. J'aurais bien étouffé une révolte. C'est simple, direct et précis. Donc l'ouverture, ce sera la participation et tout de peuple. Tout de suite après, tout de peuple. Voilà, on bat ce qui se passe avec les promoteurs. Ouais. Si jamais il va voter, l'éditorial l'Arbé, Bahman ou Brebich, les boycotteurs, les candidats. Il faut que chacun suive les candidats. Tu vois, ça, c'est-à-dire ça, c'est classe, c'est une page. Ouais. Déjà, c'est un gain de temps. Il a mis ça à l'achter. Tu veux une version Talca? Mac. Fais le point. Non, bah. On la pub de l'État. Liberté ou fraternité, l'État, même. Liberté. Pas fait le soir. Pas fait le soir, t'as le soir, aussi, par les on avait vu ça, c'est pour ça qu'on voit pas. Nous avons refusé de signer un contrat avec l'ANEP. On avait vu le chantage et nous avons décidé de mettre fin au chantage en ne signant plus de contrat avec elle. Donc nous n'avons pas de pub avec l'ANEP. Pas de relation contractuelle avec l'ANEP. Dans tous les pays où il y a un système pluraliste, un système démocratique, un système ouvert de compétition, l'octroi de la publicité obéit au tirage, obéit aussi, comme en France, à des. À des situations de diversité et d'expression. C'est-à-dire que quand des journaux représentent une pensée ou représentent un point de vue qui est minoritaire et que le journal en question n'a pas les moyens financiers de maintenir à flot cette ligne, ce sont des instruments
constitutionnelle ou institutionnelle. C'est l'Assemblée nationale en France qui octroie chaque année à l'Humanité, qui est un journal qui représente une sensibilité, un budget qui est voté par l'Assemblée, etc. Et l'absence de régulation chez nous permet aux colonels, avant DRS, aujourd'hui colonel de la DCSA, de je ne sais pas qui, de... Voilà. Voilà. On peut faire un bon dossier aujourd'hui, et c'est peut-être l'occasion, avec ce que vivent certains journaux, bon, ils ont le droit de changer de ligne, de ne plus soutenir le Bouteflika. Voilà, ils payent. Prochaine station, Préfoura Grande Poste. Pour faire point un peu toutes les affaires qui sont en instance, notamment la dernière affaire où on a été condamné à Djidjil à 1 million de dinars et 100 000 dinars chacun avec Chouk et Amari pour la chronique. Bon, moi je suis scandalisé, comme tu le sais, par cette condamnation, parce que c'est une condamnation qui n'est pas juste. Voici un wali qui arrive à condamner un journal dans sa propre wilaya, dans ses propres juridictions, 1 million de dinars. Nous allons continuer à plaider que la caricature et le billet, la chronique, ce sont des genres journalistiques qui sont différents de l'enquête. La liberté de la presse, c'est la liberté de faire des enquêtes, fouiller avec des documents, des preuves, lorsqu'on met en cause une institution ou une personnalité. Là, on a obligation d'apporter des preuves, mais le commentaire est libre. La chronique et le dessin sont des genres journalistiques, ce sont des pratiques journalistiques qui sont dans le monde très, très acceptées. Et chez nous, on n'accepte pas qu'un chroniqueur puisse se donner la liberté la dérision, de pousser très loin la dérision. L'absence de loi fait que le ministère public, qui est un démembrement de l'exécutif en fin de compte, agit en pleine liberté pour condamner, poursuivre ou sanctionner. Mieux que ça, elles essaient de freiner la création journalistique. Elles font de l'activité journalistique au risque pénal. Tout à fait. Le journaliste est pénalisé par la loi, elle ne le défend pas, elle ne prend pas en charge sa quête de vérité. Mais mieux que ça, l'administration ne livre pas la part d'information qu'elle a pour aider le journaliste à asseoir de manière correcte une bonne enquête. Nous avons beau attendre, taper sur la table, téléphoner, faxer, etc. Parfois, nous allons dans les tribunaux diminués parce que l'administration refusait de compléter l'enquête. Quand il s'agit de relations avec l'autorité publique, l'autorité politique, les juges deviennent carrés, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Dans beaucoup de dossiers, on a beau apporter des preuves, rien n'y fait, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation. La cohésion nationale menacée. Il est bien pas bien. À un moment donné, je pensais que la classe a besoin de Kithioran. C'est vraiment. C'est un rastache. Ah, vraiment, il est charpenté. Il n'y a que pour l'affaire à l'armée, même l'armée, il y a des problèmes au sein de l'armée, c'est grave. C'est grave. Il n'a pas tort. Hein. C'est la première fois que d'anciens généraux se permettent d'écrire comme ça dans la presse. Antar, il a fini une déclaration. Antar, hein. Non, franchement, c'est. Il est tellement de halouf, il peut créer des problèmes. C'est un absolu. Pousser au pourrissement. Facilement. Hein. Là, nous sommes en train de manger. Mais viens manger. D'accord, là. C'est gentil, si tu veux, venez manger. Alhamdulillah. Ah ouais. Ce qui doit être mis en valeur, c'est un peu les personnages. C'est la dame là, qui a la bouche fermée, etc. De l'émotionnel. Voilà, truc comme ça, par exemple. On s'en fout de ce qui est écrit, on s'en fout des pancartes, on s'en fout. C'est dit dans le papier. Ça fait plus à même d'exprimer l'idée générale de son papier.
Bon, la baraquette, on a préféré. Mmh. On a préféré mettre en valeur les. Oui, oui, les slogans. Et puis les... Plutôt les gens qui. Les gens, qui bien sûr, là, absolument. Attends, baraquette, les gens savent que c'est un mouvement. Je peux rien dire. Il a suffisamment fait parler de lui. Hein, je suis tenu par l'obligation de réserve. Donc je vais pas parler de plus. Après, c'est en une seule ligne. Cette fois. Voilà, voilà, trois lignes. Okay. Regarde, 16, 17, après je trouve 25. إن حركة بركات سيستمر نضالها بعد 17 أبريل نضال من أجل مجتمع الحريات من أجل تحقيق دولة الحق والقانون من أجل مدرسة عصرية من أجل المساواة ما بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق دولة التي ضحى من أجلها ملايين الشهداء شكرا. La force de Baraka, c'est les discussions qu'on a en interne. Pour moi, le processus de parole, que les Algériens réapprennent à prendre la parole et à se parler, pour moi, c'est ça Baraka. Et je termine juste sur ça en vous disant, nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas du tout pressés. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Moi, je vais faire une confidence. Après le 22, s'il n'y avait pas eu Amira et son groupe, moi, j'allais partir à la présidence, j'allais camper devant Moradia. Et pour moi, je ne vais pas attendre que 37 millions d'Algériens réagissent, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est d'abord un truc perso, c'est-à-dire c'est moi qui décide dans mon âme et conscience de prendre mon destin en main, de me prendre en charge. Donc nous, il se trouve qu'on a eu, on s'est retrouvé dans un contexte où on a été, on a partagé un peu les mêmes craintes, les mêmes angoisses et aussi les mêmes espoirs, et c'est tant mieux. Mais comme on l'a dit, comme ils l'ont dit les camarades, on s'inscrit dans l'après, on n'est pas pressé, on va bien sûr travailler sur la proximité. Ils nous disent, vous êtes élitistes. Alors je vous dis une chose, Baraket, le slogan Baraket, moi je l'entends tous les jours, partout. Est-ce que je peux poser une question indiscrète? Tu as l'intention de vote. je parle déjà de l'élection en elle-même. Pour vous, elle a du sens. Elle a du sens. Yani, vous pensez qu'elle est ouverte? On a le sentiment, parce que quand je fais la harakat de citoyenneté ou même la harakat de commerce, on a senti qu'il y a un petit changement, c'est-à-dire... Ouais. Enfin, on s'exprime, on est arabe. Oui, oui, exactement. Il y a avec l'expression. Oui. C'est un appel à un changement, donc si c'est verrouillé ou pas, mais c'est une manière quand même. Mais il y a déjà une prise de liberté. Et voilà. Est-ce que c'est un sentiment ou la manière quand même? Mais t'as la tendance, est-ce que vous êtes pour que M. Bouteflika continue son travail ou là pour que cette équipe parte? Non, on est pour le changement. Pour le changement. Pour le changement. Donc, sans citer de nom ou là. Bien sûr, oui. On est pour le changement.
Justement, Boufarik, elle avait une tradition de gauche. De gauche, le exact, le PAC. Vous sentez qu'il reste encore... Non. Par l'intérêt, c'est vide. Mais vous tenez à voter. Vous avez toujours voté. Non. Je suis Damon, mais ouais. Pour cette fois-ci... Les dernières élections législatives, combien vous avez voté? Ça a l'air de trancher pour... D'accord, oui. انت مع رئيس بوتفليقة قناة ولا خدمة؟ خدمة و انت ما ناوي تبوطي ولا؟ ها؟ ناوي تبوطي ولا؟ جيب بالك رخت ما عندك لك رخت ان شاء الله بارك ما ظننا ما يخير ان شاء الله ما يكذبوش علينا كما كان يكذبوا من قبل يعطيك الصحة شبهونا لي برومس كل عام يقول لك هذا العام خير من اللي فات وانا نسنى وتشينا مثل بفعل انا اخسر يعني اثاث الشيعة تاع بوفريك فريق قبل دي زورونج بقات لعبية انا في عمري 24 سنة ناكل امرور الدواء تاع لوطونسيون تاع القلب زير لا نكذبش عليك واش نشوفوا واش تما خاين ان بوفاريكا ولات باطيمات لا سيتي بصح انت تشوف بلي ما استفادش منهم بزاف شاس ها هاد الباطيمات اللي نشوفهم طالعين في ديزوي نقول لك شكون اللي استفاد منهم انا نهضر لوجيك انا حاب تجي يدوني حشيه يدوني ماشي مشكل نهضر لك لوجيك نهضر استفاد منهم حمزه المير اللي هو في الحبس واش يكون هذا اللي كان مير اللي كان مير الناس استفادت تشيبا ويدو لا راه في الحبس حمزه المير كي نهضروا مثلوا لو كان امين يديها بوفليقه يزيد يديها عاود ربيعه ما عليهش خويا نسقسي ما يكونش كيما قلت تاكم الجيريا وانا الجيريا هكذا كاش نهار سمحت في العالم بريزيدون بيبليك يمشوه في الشريطه عمري ما سمحت بها سمحت بها سي لا بريمير فوا في الجزائر ما عليهش ولو كان يديها بوتفليقه ما عليهش ويقعد والرئيس تاعنا ربي يشدهن والله ويقعد قرن ربي يشدهن بصح ما عليهش ما يشوفش غير الانتيري تاعو يشوف ليجا انا سمحت بلي انا نتبع السياسه مليح ترى رئيس بوتفليقه القذافي مسكيني معليش دار ودار عيب تقتل بريزيدون بيبليك هكا عيب في العيب عيب تصدام ورئيس العرافات ورا مبارك ورئيس راح وشحمه وكذا هكا مش حتى تدي معاه يا خويا انت يرحم بابك قالك في عمرك شحال علاش 10 سنين يا زيد دي 20 مليار واش اجب وريح تصرف الشعب ممكن لا Surtout, il faut que les gens défendent leur voix. Ceux qui votent défendent leur voix. C'est ça. Là. Après, tu ne peux pas leur dire rentrer chez vous. Et ce qui est bien cette fois-ci, c'est que ça va se passer ailleurs, pas seulement pas à Alger en tout cas. Le papier que tu devais faire pour le monde, c'est bon ? Tu sais que je n'ai pas terminé. Ah, d'accord. Ils t'ont pas rappelé ? Non. Okay. Oh, putain. Non, mais c'est pas grave.
commence à travailler dessus. Non, c'était la deadline, c'était lundi à midi. Non, mais je sais que tu n'as pas que ça à faire. Hein. Hier, j'ai dû fermer mon portable. J'ai dû fermer le portable, c'est bon. Là, je trouve une vingtaine d'appels. C'est juste infernal. Et puis, au bout d'un moment, tu sais même pas, en fait... tu as du mal à trouver les mots justes, tu vois, pour ne pas donner une analyse comme ça à l'anglaise. السيد عبد العزيز بوتفليقة تحصل على 8 ملايين. هاي ملايين السيد علي بن فليس 12%. وفي آخر المطاف نجحت الديمقراطية. ديمقراطية؟ أو تأملك ديمقراطية ومبادئ الديمقراطية تقتضي أننا نشد في voilà ce qui nous gouverne en Algérie, mesdames et messieurs. Troisième mais bon, ça se passe de toute question, de tout commentaire. C'était un score à la soviétique. Non mais... À la soviétique, parce que là, je pense qu'on a battu le soviétique. C'était un score à l'Algérien. Hein? Je pense qu'on va être le modèle en termes de... C'est un score brejnevien. Mais c'est brejnevien. Ouais. Maintenant, on va revenir à nos ouvertures avec les déchets ferreux, non ferreux, avec la grève du cartable. Les déchets ferreux, non ferreux. Alors le titre, Bouteflika élu dans un fauteuil. Il a assommé par Bouteflika. Non, moi je suis pas assommé. Non, non. Ah, là, je suis assommé. Non, non, moi je suis pas assommé. Voilà, puis quand on commence à un petit moment. Hein? Hein? Mais, dis-moi, on va faire réagir qui? Donc, finaliste Gary Mditalek, tu n'as pas donné. Tu m'as pas donné, tu m'as donné un nom. Mais tu n'es pas convaincu, malade, de ce que je dis. Non, je suis convaincu. Pourquoi ça, je ne suis pas convaincu? C'est un travail. C'est juste que je dis normalement, c'est partout. Mais tu me fais ça tout le temps, tu me fais ça tout le temps. Non, tu me demandes un travail, je le fais, mais comment? Qui? On a dit ça. D'accord. Zidli, qu'est-ce que tu as écrit là? On te l'a dit, mais il y bien sûr qui va vous parler. Je ne sais pas, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, mais je ne sais pas. Ah non, mais tu n'es pas sérieux.
Je pense que ben là, qu'il y a des réactions à chaud tout de suite. Ce n'est pas des gens qui ont la déclaration politique de X. Il y a des réactions à chaud quand on est assommé. Quand on est. Ce n'est pas possible. On s'attendait à quelque chose, mais là, ça dépasse mon temps. On s'attendait à quoi? Il y a peut-être des gens qui ont pensé un petit peu comme moi. Ou là, comme toi, mais les baliches, on va les faire parler. Tu n'es pas d'accord, Ali? Je pense qu'il y a des gens qui souhaitent réagir dans ce qui, moment. Qui c'est ça, c'est la question que je vous pose. Qui? Qui? Ils sont nombreux d'habitude. Mais donne-moi 5 noms. Tu me donnes 5 noms. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas qu'est-ce qui va pas aujourd'hui. Non mais, bon, attends, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Comment ça, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Bon. Maintenant, il y a une réaction à chaud, tant par rapport au déroulement de l'élection que par rapport au résultat annoncé. Il y a ensuite des personnalités politiques comme des observateurs qui ne sont pas forcément dans des partis politiques, mais qui ont, comme tu l'as dit Morad, qui ont montré de l'intérêt. Ces gens-là, ils sont nombreux, tu les connais toi-même. Ça dépendra de ce que tu vas faire. Je ne suis pas battu. Est-ce que tu penses que physiquement, je peux faire je peux prendre le téléphone pendant une heure, appeler ces personnalités et 12 partis politiques? Tu te contentes de ça au fur et à mesure. Je viens te voir, tu viens nous voir. On va donner les. Mais je ne suis pas abattu, d'accord? Non. Je vais le faire, mais c'est pas ça. Je voulais juste me concerter avec vous. Qui serait. Quelles sont les personnalités utiles importantes à faire réagir? Hassan. Rak Sherik, tu caméra. Sur le titre, il déclare ne pas reconnaître l'élection de Bouteflika. Bouteflika veut fédérer le courant contestataire. Voilà. Le mécontentement populaire. Le mécontentement, parce que ça devient long pour le titre, tu auras des problèmes. Ça dépend de l'angle. Le rejet de système, c'est un constat. Mais lui, il veut. Il est combatif. Bouteflika est combatif dans ce combat futur où il veut rassembler tout le monde. Il appelle au rassemblement. C'est ça. Je crée les forces politiques. Il ne reconnaît pas la victoire de Bouteflika. Oui, le combat, c'est de longue haleine. C'est construit. C'est fédéré. Bon, une première bonne version et puis on verra dans un petit moment là. C'est pas terminé, quoi. Thank you.